Salut à tous, et bien comme on peut le voir, on se retrouve sur Uncharted The Lost Legacy pour cette deuxième vidéo. Donc ici on va reprendre l'aventure aux côtés de Chloé et de Nadine. Donc pour aller contrecarrer un petit peu donc les plans de notre petit méchant, voilà, qui se complaît à piller un petit peu donc d'anciennes civilisations, etc. Bref. Donc là on va attaquer chapitre 2 en mode infiltration. Enfin, si tant est que j'y arrive plutôt correctement, on verra bien. Chapitre 2, et bah c'est reparti. Ah, je m'étais arrêté où? Ok. Non, si j'ai bonne mémoire, il y avait une échelle, voilà. Suis-moi, je t'aide à passer. Et voilà. Si. Oh, cool. Hein, ça promet. Suis-moi. Il vaut mieux pas se louper, moi je te le dis. C'était pas si compliqué. Qu'est-ce qu'il y a encore? Patience. Non, c'était pas par là. C'était un peu haut quand même. Oh non, mieux. Oh putain, mais quel con. Ah, je suis trop fort. C'est le talent, ça. Là-haut. Tu rigoles? Non. Oh, je vais y aller doucement. T'es sûr que ça va tenir? Non. A priori, pas de trésor. Un petit détail qui tue, ça. Franchement, pas mal. Les emporceaux au linge. Comme je dis souvent, ce sont les détails qui font un bon jeu. Allez! Qu'on s'éloigne du repère d'Assav, non? Ouais, on fait un détour. Je comprends pourquoi t'es toujours en retard. Je vais l'éliminer. Non, je vais l'éliminer. Toujours regarder, on sait jamais. Bah, allez, toi tu n'es pas là. Faut toujours vraiment regarder bien. Les trésors, ils peuvent en cacher vraiment dans les endroits qu'on ne soupçonnerait pas. Là. Et je vais profiter de ce terme pour faire une petite parenthèse. On a souvent vu dernièrement des jeux se faire critiquer à mort, surtout la PS4. Hein, depuis la sortie de Zelda sur Switch. Et oui, enfin voilà, malheureusement, on va dire qu'il y a des détracteurs qui aiment insulter la concurrence, insulter les jeux. C'est d'ailleurs souvent le cas en ce moment, puisque vous entendrez souvent le terme de film interactif en ce qui concerne la PS4, ce qui est un peu triste pour ce genre de joueurs. Mais c'est vrai que j'ai souvent vu des critiques sur l'herbe d'Uncharted 4 Horizon, par exemple, où tu vois donc les personnages bouger comme ça dans l'herbe. Et voilà, ça s'écarte plutôt bien, comme en vrai, c'est bien fait. Et sur Zelda, ce qui se passe, c'est que quand tu vas dans l'herbe, ça s'écarte plusieurs centimètres autour de toi. Genre comme si tu as une espèce d'onde autour de toi, une bulle ou un truc comme ça. Et
voir des joueurs dire que ça c'est 100 fois mieux, plus réaliste et tout, que des jeux comme Uncharted ici, non, je suis vraiment pas d'accord, hein. Il faut revenir à la réalité les gars. Allez dans un champ, allez dans de l'herbe, vous allez voir comment ça fait. On n'a pas une espèce de bulle autour de nous quand on marche dans de l'herbe, sans déconner. Bref, c'était la petite parenthèse que je voulais faire là-dessus. Ne prenez pas mal, hein. J'ai pas dit que Zelda était nul, mais il y a des trucs qui sont pas comparés, quoi. Et surtout quand c'est complètement stupide. Bref, a priori, il faut descendre. Là, franchement, c'est super bien fait. C'est vraiment pas mal. Et je crois que t'as la chaise. A priori, pas de trésor. Et hop, c'est parti. Ah, bah, tiens. Nickel. Il suffisait d'en parler. Ok. Qu'il faut aller, et on pourra aller nulle part sans s'allumer. Lui, je sens qu'il va passer par la fenêtre dehors. Enfin, la fenêtre, pas le trou dans le mur plutôt. J'étudie juste nos options. Bouge pas. Bien que sa réputation. A priori, pas de trésor caché. Non. Et voilà. Tu sais pas conduire quoi. La peau. Ouais. Enfin, déjà que Nadine est super grincheuse en temps normal, alors là j'imagine même pas ce qu'elle va lui dire. Désolé. Et si on évitait les caisses à partir de maintenant? Ok, c'est bien. C'est ce que je disais, lui il va passer par au-dessus. Putain. Il y a un problème de moi. Putain le pauvre, sans déconner. Ouais. Ça prendra qu'un moment.
Ok. Ça marche aussi. Trouvons le disque. Excellent. J'adore. Franchement, j'adore. Enfin, elle aurait pu me faire... Elle aurait pu me laisser finir, quand même. Infiniment, tu surveilles nos arrières ? Ouais. La vache. On se barra chez un antiquaire. Il n'a pas perdu son temps. Elle a pour combien, d'après toi ? C'est pour que sa petite insurrection tienne un moment. Oh, c'est affreux. Il y a un paquet de chats bizarres ici. C'est pas beau. Bien vu. Ça te choque pas ? Tout ça, c'est les artefacts indiens. C'est pas mon combat. Destructeur et transformateur. Sala et le tigre. Il est peut-être plus près que je croyais. Cool. Il n'y a pas là, toi. Ça manquera à personne. Enfoiré. Pourquoi je sens le... Non. Ils n'allaient pas faire ça, quand même. Ah, Lakshmi, déesse de la richesse. Je sais pas pourquoi, je sens bien le passage à travers la vitre à un moment donné. Deux grandes baies vitrées comme ça. Avec une porte fermée, c'est louche. Très louche. Je crois qu'il est là. C'est fermé. Pas pour longtemps. C'était quoi cette carte ? Les Ghâts occidentaux, territoire des Aïssala. Oh, merde. Non, tout va bien. Rien que ton sage déjà. Merde. Ah. Trop facile. Fais gaffe. Nadine Ross. Quelle bonne surprise. Attention, camarade. Ce tigre a des griffes. Asav. Après toutes ces années, tu n'as pas pris une ride. Pas une. Trop aimable. Tu cherches du travail ? Il paraît que tu as perdu la direction de Shoreline. Un léger contretemps. Rien d'insurmontable. Bien sûr, bien sûr. C'est dommage. Mon équipe aurait besoin d'une personne de ta trempe. Qu'est-ce qui t'amène ?
Issa, c'est pas ton domaine d'habitude. Je dois dire que vous avez une très belle collection. Chloé Fraser, collectionneuse d'antiquités. Tranquille. Une voleuse. Tu travailles pour une voleuse. Monsieur, il y a un problème. J'arrive tout de suite. Énorme. Le disque. Ah oui, puisque on en parle. Au début, j'ai cru que vous étiez un rebelle ordinaire. Oh. Mais vous avez réussi à mettre la main sur l'Empire Oysala. C'est pas mal. Mais leur plus grand trésor, la défense de Ganesh, ça sera pas aussi facile. Qu'est-ce que tu fais ? Trois invasions perses, trois guerres différentes, et après toutes ces années, personne ne l'a trouvé. On approche. Vous êtes perdu. Et désormais, votre seule chance de commencer à réduire la zone de recherche, c'est de trouver quelqu'un qui peut vous aider à décoder cet artefact. Quelqu'un qui connaîtrait à fond la civilisation Oysala. Exactement. Un expert de leur culture et de leur histoire. Mes prix sont raisonnables. Un parasite qui exploite nos efforts dans le but de se remplir les poches. La peau. Ça veut dire non ? Je crois que ça veut dire non. Vous avez du cran, ça me plaît. Mais j'ai déjà assez de soi-disant experts. Tuez-les, jetez les corps dans la rivière. Inutile. On trouvera la sortie. Arrêtez-les ! Encore les trois sont éliminés après la fin. C'est énorme. Voilà. Ok. C'est vrai que là en extrême, il va faire mal comme. Qu'est-ce qui t'a pris là-bas ? Brutal, mais efficace. T'as voulu me doubler, c'est ça ? Ça s'appelle de l'improvisation. Et c'est moi qui suis pas professionnel ? Qu'est-ce que tu sous-entends ? Que t'as laissé Asav nous prendre par surprise. Je me demande si tu vaux vraiment tes 50%. Je le savais. T'étais prête à me laisser tomber. Voleuse un jour, voleuse toujours. Tu ne sais rien. À propos de moi, je te préviens. Le dernier qui m'a trahi a pris une balle. Voilà la rivière. Ouais. J'espère que ton ami est là. Merde ! Faut pas traîner ici ! Arrête ! Je te suis ! Ton audace. Donc, c'est dangereux ! Stop ! Oh non ! Oh, mais tiens ! Merci ! Allez ! Eh, bah c'était chaud. Prends le disque. Ouais. Avance ! Attention ! Oh, pour l'amour du ciel ! Oh merde ! T'aurais jamais dû faire ça ! Je vois quelque part ! Quelle bande de chochottes ! On va t'en te la raconter, allez ! C'est bien, non ? Qu'est-ce que c'est ? Arrêtez-les tout de suite ! Wow ! Je vais bien ! Tout va bien ! Allez, si on lance pas attaque, c'est dans le même. Viens en dessous.
C'est parti! Comment ça se passe? Tout roule. On devrait arriver dans une heure. Parfait. La défense de Ganesh. Pas étonnant qu'ils aient pillé la capitale Yoysala. Regarde-moi ça. On a une chance? J'ai pas besoin de chance. On va avoir besoin de toute la chance possible. Tu t'inquiètes encore du soi-disant expert d'Assav? T'en fais pas. Si Assav est pas déjà au Ghat, il doit déjà être sur nos talons. Il a des armes. Du matériel et des centaines d'hommes. Je te le redis. C'est pas improbable. Tire un genre de clé. Possible. Voyons ça. Alors. Le trident était l'arme de Ganesh. L'arc et la flèche. Était à Parajurama. Et la hache, un cadeau de Shiva. La grande bataille. Quoi? La grande bataille où Ganesh a perdu sa défense. Je te parie que si on trouve ces symboles, on trouve la défense. Pas mal, Fraser. En fait, faut remercier mon père. Les mythes hindous, c'était sa passion. Il te l'a transmise? Il doit être fier. Il fait presque jour. Je vais me préparer. Au travail. Tu feras palpable avec son père à première vue? Excellent, ils ont vraiment bien travaillé les gestuels des visages, c'est assez impressionnant. Il y a eu quand même une très nette amélioration depuis Uncharted 4. Là. Ça fait une sacrée marche pour une simple vérif. Disons que c'est juste pour me rassurer. Ah. Bon, la vue est sympa. Et regarde, comme c'est bizarre. Pardon d'avoir douté de toi, Chloé. C'est Oysala? Oysala. Ça date pas d'hier, alors je dirais qu'on est sur la bonne piste. Énorme. Quoi? Énorme. Franchement énorme. J'aime pas ça. C'est parce que t'aimes rien. Non! On a fait presque 100 km et aucun signe d'Assav. Vois le bon côté. On a peut-être fini par le semer. Ça m'étonnerait. Je trouve la défense. Tu t'occupes d'Assav. Compris. On se retrouve à la voiture? Chapitre 3. Ah, ça a été plutôt rapide. Un petit coup de sauvegarde. Hop là. Donc je rappelle que je vais faire des vidéos assez courtes, si possible maintenant, donc d'à peu près une demi-heure environ. Alors ici, ça tombe bien que ce soit le prochain chapitre, comme ça je vais pouvoir couper là. En tout cas, franchement, il y a quand même de très nettes améliorations depuis Uncharted 4, notamment au niveau des visages, des expressions nettement mieux travaillées. Là, franchement, Chloé m'épate un peu sur ses expressions de visage. C'est vrai qu'elle a vraiment été retravaillée depuis les anciens opus. Je rappelle quand même qu'elle n'était pas dans le 4. Et donc depuis le 3, franchement, ils ont quand même fait un gros travail dessus. En même temps, c'est l'héroïne de cet opus, hein, donc normal quoi.
Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié en tout cas. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.